Bonjour à tous, c'est KD Gamerboy en compagnie de Luigi. Yo, my name is Luigi and this is my adventures. Yo. Et donc aujourd'hui, eh ben oui, Luigi, le frère de Mario, enfin, il va avoir son aventure en 2D. Et Nintendo a fait le bonheur, on va dire, de Luigi Phil, puisque récemment, tout récemment, est sorti le DLC de New Super Mario Bros. U sur la Wii U. Et Wii U, vous êtes content, je parie. Et c'est l'occasion donc de contrôler le frère de Mario qui a des aptitudes différentes. Bref, on parlera un petit peu de tout ça lors du gameplay. Donc je vous fais juste un petit topo sur cette aventure suivie. Je vais éviter de dire let's play, puisque aventure suivie, quand même, rappelons que nous sommes en France. Et il faudrait un petit peu utiliser notre jargon français, notre langage, le langage de Molière, enfin bref. Et voilà, je pense qu'il faut quand même dire aventure suivie. Donc j'espère que dans les jours à venir, les mois, les heures peut-être, les secondes, que nous utiliserons tous quand même aventure suivie plutôt que let's play. Alors oui, effectivement, let's play c'est plus vendeur, alors à la rigueur, mettez let's play en fufu dans les mots-clés, mais aventure suivie quand même, mettez-le dans les vignettes, enfin je sais pas, mais... Je crois que je vais arrêter let's play, moi, c'est bon. Bref, on va commencer. Donc, attention, roulement de tambour. Je pense qu'il va y avoir une scène d'introduction, si je ne m'abuse. Je découvre le jeu. Donc, on va voir un petit peu comment on se débrouille pour être dans un langage bien parlé. Et puis, bah, allons-y. Et allons-y. Et allons-y. Ah, it's me. Yahoo. Ah. Ah, t'as fini de me faire tourner comme ça, là? Excuse-moi, Luigi, excuse-moi. On y va. Je te prie de m'excuser. Alors, attention, roulement de tambour, et là, nous avons droit à la scène. Sans Mario, il y a juste la casquette. Et là, je sens que le scénario va être tout différent, puisque Mario n'est pas là, et la princesse va quand même se faire kidnapper. Et j'avoue que la grande première, en fait, super idée de Nintendo dans cet épisode, c'est de kidnapper la princesse, mais dans son propre château. Rappelons quand même que c'est quand même une révolution. C'est vrai, généralement, on kidnappe quelqu'un, on le ramène quelque part où, ben, personne ne peut la retrouver. Et ben là, on kidnappe dans son foyer, là où la personne y a laissé son odeur, ses poils de cheveux, pour ne pas dire des poils d'autre chose. Et oui, on kidnappe la personne là où elle habite. C'est une révolution. Voilà. Et pour faire le truc bien, on entoure le château d'une fumée pourpre. Et voilà. Pourquoi ? Et pourquoi les kidnappeurs n'y ont pas pensé plus tôt ? Je comprends pas. Mais c'était pourtant clair. Pas bon, bref. Alors le scénario, je vous explique l'histoire. L'histoire est très simple. La princesse a proposé un repas à nos chers amis Todd et Luigi. Et la casquette de Mario, puisque Mario n'est pas là, mais sa casquette quand même... Ah oui, hein, faut y penser. Ça reste quand même quelqu'un qui a des sentiments, quelqu'un qui a du cœur. Donc voilà, elle a invité la casquette. Et pour manger un bon petit repas, un petit 4 heures, j'en sais rien, on sait pas trop quelle heure il est. Et voilà. Et le repas est interrompu par le vilain Bowser et ses sbires. Et les voilà qui kidnappent la princesse et jette en l'air toute l'équipe en dehors du château. Et voilà que tout le monde doit refaire le trajet. Bon, là cette fois-ci c'est pas tout le monde, mais là c'est moi seulement Luigi. Et on va y aller, donc on commence dans la plaine du Grand Chêne. Donc à mon avis dans ce let's play, on fera monde par monde. Donc un épisode comprendra un monde. Pour la collecte des pièces, pour vraiment faire le jeu à 100%, malheureusement, ça ne sera pas sur YouTube, pardon, ce sera sur ma chaîne de live Twitch, puisque oui, effectivement, j'ai une chaîne sur laquelle je fais des directs, je joue en direct, sous vos yeux ébahis, ouh, c'est beau là, sous vos yeux ébahis, et ça me permet, ben voilà, d'interagir avec vous, et là, ce sera l'occasion. Oula, c'est vrai que Luigi est un petit peu particulier à contrôler. Waouh, il glisse beaucoup. Waouh, mes chaussures sont un petit peu abîmées. J'étais pris de m'excuser. Ouais. Bon, bref. Et voilà, donc c'est l'occasion d'interagir avec vous, de rigoler, de répondre à vos questions en direct et tout et tout. Donc je pense que voilà, je dédierai cette session de jeu. Spéciale récupération de pièces ou d'éventuels objectifs qu'il y a à faire, trouver les passages secrets en direct live. Voilà.
Mais rassurez-vous, l'aventure complète, au moins en termes d'aventure et de niveau, découverte de niveau, se fera sur YouTube. Voilà, donc, voilà, j'espère que vous allez prendre du bon temps en ma compagnie et en la compagnie de Luigi. Et puis, bah, bonne aventure suivie en ma compagnie. Ah bah oui, alors c'est parti. Donc, on va expliquer un petit peu qu'est-ce qui change dans cet épisode. Et moi, je me balade, je prends mon temps. Donc déjà, un gros problème, si vous avez vu le temps, il est extrêmement court, hein. Vous avez vu qu'il reste déjà 30 secondes de Super Mario. Ah, qui cette fois-ci semble être de vraies secondes. On va essayer de prendre cette pièce. Mamma mia. Merde. Donc déjà, la première chose, c'est que bah, le temps est limité. Et j'avais complètement oublié, j'étais là en train de prendre mes petites pièces colchiques dans les prés et tout. Et non, pas du tout, c'est pas ce qu'il faut faire. Non, 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 il faut se faire violence, il faut courir. Même si les semelles des chaussures de Luigi sont extrêmement lisses. Et que Monsieur glisse, vous avez vu, hop. Donc il y a ça, il saute plus haut. C'est vrai qu'aussi, par définition, comme le temps est plus restreint, ça veut dire que les niveaux le sont également. Vous pouvez oublier les niveaux qu'on parcourt en quelques minutes. Là, c'est quelques secondes, très clairement. Et jouer à ce jeu sera l'occasion vous donner mon avis sur ce nouvel opus Wii U. Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce que Nintendo a eu une bonne idée de raccourcir les niveaux? Est-ce que tout ça? Donc, je vous dirai tout ça tranquillou, à tête reposée, à la fin du Let's Play. De l'aventure suivie. Et voilà, vous avez vu? Cet abus de langage. Yeah, I made it. Y'a personne dans le château, merde. Ah là là. Allons-y. Deuxième niveau, alors, pleine du grand chêne de... Alors, je pense qu'on va... On va aller sur un épisode tous les deux jours. Donc, à l'heure où je joue là en Let's... Les épisodes, je sais, ça rien à dire. Je pense que je vais publier ça le vendredi. Non, le samedi. Ah, je vais me faire écraser. Donc, après, ça sera lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Il n'y aura pas 100 000 épisodes. Donc voilà, je suis dit deux jours. Ça devrait être correct pour vous laisser regarder. Et je vois pas l'intérêt de diffuser le Let's Play un épisode par semaine. Enfin, aventure suivie, merde, bon. Ouais, voilà, donc je me suis dit, deux jours, c'est bien. On va faire comme ça. Donc à part ça, qu'est-ce que je voulais dire? Niveau nouveauté, je crois qu'il n'y a pas grand-chose, hein. Je crois que c'est tout, on a fait le tour. Et après, bon, moi, c'est du Mario classique, c'est de la plateforme, c'est... Oh, je sens qu'il y a un truc là-bas. C'est de la plateforme, il y a des passages secrets, il y a des grosses pièces à ramasser, donc des fois on oublie et tout. Et voilà. Donc en tout cas, de ce que j'ai pu remarquer, il n'y a pas un défi en fait. Il n'y a pas de défi, semble-t-il. Je rappelle que les défis étaient des niveaux en fait, avec un objectif en particulier. Donc des fois c'était accomplir. Réussir un niveau sans ramasser une pièce, des fois c'était faire un niveau de la façon la plus rapide possible, des fois c'était faire un niveau en en tuant un ennemi, des fois c'est des trucs comme ça. Tiens, on va se faire une violence, on va pas prendre les champignons dans cette aventure suivie. Allez, promis, on prend aucun objet, on se débrouille, parce que vraiment les jeux sont trop simples sinon. Et voilà, donc c'était des objectifs particuliers. Et là, ils auraient pu en faire avec Luigi, puisque ces défis dans le New Super Mario Bros. U ne se jouaient qu'avec Mario. Ou son Mii, je crois. Je crois pas qu'on pouvait prendre de Toad. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'était le cas. Waouh. Je suis sûr qu'il y a un truc intéressant, on va essayer de le prendre. Ah, zut. Et avec Luigi, ce serait intéressant d'en refaire d'autres, puisque comme Luigi a un gameplay différent... Il aurait été intéressant de la part de Nintendo de proposer des défis avec le frère de Mario. Parce que, enfin, ne me dites pas que j'ai été le seul comme ça, à savoir que c'est vrai que Satoru Iwata, quand il parlait de la Wii U... The Wii U is the best console of the year.
because it's Luigi here. Enfin bref, franchement, il envoyait du rêve à parler de Luigi. Alors on s'attendait vraiment qu'il aurait son propre jeu, que ce ne serait pas une simple aventure composée uniquement des niveaux. Enfin, moi, ce que j'avais compris, c'était vraiment que c'était un New Super Luigi U avec tous les composants qu'il y avait dans New Super Mario Bros. U, quoi. Et non, en fait, il n'y a que les niveaux. Donc déjà, je dirais que c'est un mauvais point de la part de Nintendo, en tout cas, là-dessus, puisque c'est un petit peu dommage. Parce que ça ajoute quand même pas mal de durée de vie. Et surtout, ça ajoute quand même pas mal de challenge, parce que nous aimons le challenge, quand même. Quand on joue à Mario, enfin, moi, je suis un petit peu un vieux de la vieille. Et ça fait près de plus de 20 ans que je joue à Mario. Donc effectivement, il y a un moment où, on connaît un petit peu toutes les facettes des jeux. Et on s'attend à un petit peu de challenge, tout bêtement. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage. En tout cas, d'après mon ami Whiskey, le level design des niveaux est très intéressant. En tout cas, plus abouti que celui de New Super Mario Bros. U. Ils sont trop courts. Ils sont trop courts. Miiverse vous permet de partager vos impressions avec les joueurs. Ok. On laissera peut-être des petits messages. Mais pas des dessins, on va pas faire ça. C'est parti. Oh, vous commencez à me saouler, hein? J'ai envie de jouer! Sauvegarde effectuée, hop. Alors nous voilà dans... But Yoshi. Hop. Let's go! Alors c'est vrai que ce petit... Non, je sais que ça fait pas tout ça, mais la petite musique qui atteste des 100 secondes restantes du jeu ont le don de mettre la pression. Alors est-ce vraiment uniquement pour faire peur, ou est-ce vraiment le signe avant-coureur que la fin est proche? Je sais pas, on verra si vraiment le temps est entre guillemets justifié, parce que c'est vrai que dans le premier niveau, j'ai vraiment traîné, en plus j'ai joué vraiment comme un noob. Mais est-ce que dans le reste des niveaux, est-ce que le temps est extrêmement limité? On ne sait pas, on verra bien. Bon, c'est pas non plus, faut pas prendre son temps et prendre chaque pièce des niveaux, quoi, mais... C'est vrai que c'est une question que je me pose. Ah. Alors, peut-être. Ah, comme ça. Yeah. Yeah! Alors, on rappelle aussi que dans ce jeu, nous pouvons jouer à plus d'un joueur. Et oui, c'est une révolution. Non, ça ne l'était pas du tout. Mais on peut jouer à plus d'un joueur avec trois autres amis. Donc, dans vos trois amis, ce que Nintendo attend de vos amis, c'est que vous ayez, entre guillemets... deux bons joueurs et un novice. Donc je sais pas, vous filez la manette à votre chien, à votre petit frère de 3 mois. Et il pourra jouer Carotin. Donc Carotin, en fait, c'est le lapin qui carotte tout le monde, en fait. Il vole des trucs. Et c'est un message. Ah, j'ai dû... Non, je voulais pas publier. Non, pour moi. Et Carotin, en fait, c'est le lapin, le genre de lapin crétin de Nintendo qui aime bien voler les sacs d'objets des Toads. Et Carotin, c'est un petit peu de la carotte, hein, pour rester un petit peu dans le thème du truc, parce que c'est un personnage qui a les mêmes aptitudes physiques en termes de saut et tout, a priori, que les Toads. Par contre, il est insensible aux dégâts. En fait, il prend pas de coups. Ça ne lui fait rien. Donc en fait, c'est vraiment pour les joueurs novices qui ont peur de se faire toucher ou je sais pas. Et en gros, il prend pas de dégâts. Donc c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage de proposer un personnage comme ça. À la rigueur, j'aurais préféré qu'ils en prennent un cinquième qui est comme un Toad, quoi. Et comme avait suggéré mon petit frère, ce serait intéressant qu'on propose Toadette. Et non, Nintendo n'a pas voulu. Carotin, voilà, bof. Bof, 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 Carotin. C'est de la carotte. Made it! Et ouais, c'est bien dommage. Alors, vous avez terminé en moins de 50, d'accord. Bon, allez, c'est un petit message.
Malheureusement, vous le voyez pas. Easy life. Easy life. Merde. Easy life. C'est pas possible. Yes. C'est vrai que vous n'allez pas voir le message puisqu'il est sur la tablette. Et on range le stylet, on y va. J'ai pris mon temps, hein, je trouve. Hein. Et j'ai une récompense de temps. On va éviter le bonus, on s'en fiche. Ah, quoique, peut-être plutôt prendre ce niveau là-bas. Sans le Yoshi, hein, les Yoshi sont un petit peu cheatés. On verra à la rigueur sur Twitch. On verra la rigueur sur Twitch pour le reste. Ah, c'est un truc en haut. C'est vrai qu'ils aiment bien. Eh là, ils aiment bien cacher des petits trucs comme ça. Hein. Ouch. Ouh. Bon, quitte à m'être fait toucher, au moins j'ai pu obtenir mon dû. Ma petite pièce. Voilà, ça sent le truc là-haut, putain. Mamma mia. Ah, j'ai l'impression quand même que quand même les niveaux sont bien plus durs. Hein. Là, vous avez vu qu'il y avait... Il y avait juste... Bon, j'allais dire un mot bizarre, mais on va pas le dire. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de plantes carnivores d'un coup. Je ne m'y attendais pas. Mais c'est bien le challenge. C'est bien, je l'ai cherché, voilà, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le challenge, le gros chat. Bon, maintenant que je suis... Ah, purée, mais... Maintenant que je suis préparé à l'affront. Voilà, je n'ai plus à me plaindre. Oh, il est beau, Luigi. Eh, il est bien beau, ouais. C'est vrai que ce sprite-là, il est... je crois qu'on l'a vu quasiment dans tous les jeux Nintendo de ces au moins 10 dernières années. Ah mince! Ah, oh, attendez. C'est quoi ce saut tout pourri, là? Ah, par contre, j'ai l'impression vraiment que... Que niveau... niveau vie, Nintendo est toujours aussi... aussi généreux. Vous avez vu que je viens de commencer l'aventure, j'en ai déjà 15. J'en ai déjà 15. Allez, go le château. Et on aura déjà fini ce premier épisode. Eh ben, ça va vite. Eh ben, ça va vraiment très vite. Mais c'est bien, au moins, ça va vous permettre de voir ça rapidement. Oh, sympa le petit dessin au mur. Bon, ça va, ils ont quand même pas uniquement mis les mêmes textures du jeu à chaque fois. Ils en ont rajouté des nouvelles. Ou alors, j'avais jamais vu... Non, j'avais jamais vu celle-ci. Allez hop, prends la pièce et prends pas la mienne. Oula. Oh la classe, c'était super beau. Alors j'étais ultra concentré, c'était impossible que je parle. Et j'ai réussi à choper le bordel. La classe. Ah ouais, mamma mia. Alors, je suis un petit peu gourmand de la pièce là pour le coup, mais j'y tiens vraiment. Yeah! Je pense que là, je peux accélérer le rythme de croisière. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, si tu peux pas voler, bah, tu peux pas voler! Bah ouais, hein, parce que... Ouais, bon. Bon, il doit avoir la pièce là-haut, je pense. On va voir ça. Eh ben non! Ah, tant pis. On la cherchera sur Twitch. Ah, quand on franchit la porte, on a 100 secondes en plus. Ouais, c'est clair, parce que si j'avais pas ça, eh bien, je 25 secondes pour battre l'ennemi, là. Je sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs, lui. Ça aurait été un petit peu juste. Voire impossible. Alors, c'est vrai que... Je parie que voilà, je peux blâmer le pattern des ennemis qui est à mon avis le même. Mais bon, pas critiquer. En tout cas, jusqu'à maintenant, le level design est intéressant. Le challenge est au rendez-vous, même si voilà, il est pas extraordinairement dur.
mais il semble être toute somme intéressante. Et voilà! J'ai réussi! Bravo à moi! Pardon. Et bien sur ce premier épisode du Let's Play New Super Luigi U sur la Wii U avec vous se termine. Et ben, à dans deux jours pour le prochain épisode, l'épisode 2, où nous allons visiter le désert. Et nous découvrirons donc le fond de l'affaire de toute cette histoire, je l'espère bien. Et moi, je vais faire une petite sauvegarde en bonne et due forme. Portez-vous bien, gros bisous et à la prochaine. Moi. See you soon. Ha ha. Yeah.